Très 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 content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif et pour cette question de l'Artemisia. C'est sous l'impulsion du président de la République via la task force qui est dirigée par Dr. Roger Kamba. J'ai eu l'invitation pour rentrer dans mon pays et tout a été bien organisé avec je suis venu dans un jet. Et bien encadré et sécurisé par le président de la République. Et je suis heureux aujourd'hui de retrouver la terre de mes ancêtres et surtout continuer mes recherches ici en République démocratique du Congo. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Et un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Et c'est ça même ce qui nous a beaucoup plus touché que le chef de l'État, le président de la République, accepte de nous accompagner dans les recherches pour que nous ayons un produit ou des produits faits par des Congolais et fabriqués en République démocratique du Congo. Je demanderai juste à la population d'attendre le résultat de recherche. J'ai quitté le pays et pour définitivement, parce que j'ai quitté toujours le pays, je suis parti et j'ai étudié en France, j'ai étudié au Canada, mais je rentrais toujours dans mon pays pour faire mes recherches dans mon pays. Voilà, je crois que nous sommes là et nous allons juste apporter notre petite pierre à l'édifice et surtout dans la lutte contre les maladies. Et dans la couverture universelle de maladies qui est dirigée par Dr. Kamba pour qu'on apporte juste un soulagement à la population congolaise avec des recherches qui sont menées au Congo, en partenariat bien sûr avec d'autres grands instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux.